Bonjour, je m'appelle Paul, je suis CTO chez Foodles. J'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans, au tout début de Foodles, au moment où Mickaël et Clément cherchaient un troisième associé pour s'occuper de la partie technique. J'ai rejoint Foodles parce que je voulais à la fois travailler sur un projet concret. Foodles, c'est avant tout de la bouffe, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et en même temps, c'est hyper disruptif. On propose de la vraie cantine, totalement autonome, sans personnel sur place. Dans l'équipe technique, aujourd'hui, on est 5. Pour gérer des problématiques très différentes, on fait à la fois du matériel, puisque c'est nous qui avons mis au point notre frigo intelligent, basé sur une techno RFID, qui nous permet de savoir quels produits ont été retirés par nos clients et de les facturer automatiquement en conséquence, de manière totalement transparente pour eux. Donc ça, c'est de l'électronique et du développement embarqué. On doit aussi créer les interfaces clients, donc à la fois web en Angular, mobile avec React Native, et puis embarqué sur le frigo en Kotlin pour Android. Et puis, on a dû créer tout le système de gestion des transactions, des clients, des stocks. Ça, c'est basé sur Django, accessible par API REST. Et puis, avec une partie visualisation grâce à Kibana et Elasticsearch, avec le tout qui tourne sur les serveurs d'Amazon Web Services. Le meilleur souvenir que j'ai chez Foodles depuis que j'ai rejoint l'équipe technique, c'est vraiment le moment où voilà, nous on avait l'idée de créer un frigo qui brise complètement la barrière entre le client et le produit, donc qui puisse se faire de manière complètement transparente. On avait l'idée de faire ça avec du RFID. L'idée c'est joli, mais après il faut l'implémenter et voir si effectivement ça marche en pratique. Et le jour où, à force de tâtonnements et voilà, d'essais, on a fini par réussir à vraiment détecter ce qui a été sorti en quelques secondes et pouvoir l'afficher au client directement après. Ça a été vraiment un énorme ouf de soulagement de se dire que ça y est, on tenait quelque chose et on allait pouvoir faire des grandes choses avec ça, quoi. Ce qui motive tous les jours chez Foodles, c'est que moi, je dois à la fois travailler sur la partie technique, mais en même temps, on est obligé de travailler un peu avec tout le monde parce que bah, il faut aussi designer nos interfaces, il faut comprendre aussi ce qui serait le mieux d'un point de vue commercial, marketing, pour mieux toucher nos clients. Donc ça nous oblige à vraiment connaître les besoins de tout le monde, travailler avec tout le monde. On est tous dans le même open space, donc ça parle beaucoup, on déjeune tous ensemble dans notre magnifique showroom, on joue ensemble au baby-foot, au ping-pong. Il y a vraiment une bonne équipe parce que c'est une petite équipe à taille humaine qui est hyper polyvalente et c'est ça que j'adore chez Foodles.